C'est parti, c'est l'heure du fait, etc. Hop, let's go, on va commencer. On fera les défis après, là on va essayer de faire une fin. Alors, hop. Je mange à 20 h puisque ma mère est fatiguée, donc Let's go. t'es en live là? Ouais. Ah, bonjour. Ah bah oui. Ok. J'ai oublié la touche, comment on prend déjà. C'est drôle ça. Zorob. Ah oui, c'est vrai, c'est croix. Soif. Putain, elle prend deux places, ma femme. La cochonne. Mais la fille elle prend 3 places, hein. Ouais, je sais. Cette grosse. Je viens de la prendre là, justement. Oh là là. Ouais, c'est vrai, en vrai, c'est chaud. C'est chaud. Ce jeu, c'est vraiment chaud de ce loot. Est-ce que j'ai fait la fin des jumeaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, masque à gaz, ça peut toujours servir. Il y a encore un bot, hein. Ouais. Bon, bah vas-y, hein. Tant pis. Je pense que bon. Après, en général. Comment dire en arabique à vous? Après, bon. Il y a moyen qu'il me donne 2-3 bouteilles d'eau ou de soupe gratos. Est-ce qu'ils font ça des fois? Des fois. Je vais boire un coup de mon élixir. Vas-y. Je bois de l'élixir et des du. J'appelle ça la boisson du courage. Ah ouais? Bon. Pourquoi? On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était moins d'une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous souvenons pas avoir emporté ses provisions dans l'abri, mais on ne va pas se plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire, on n'oubliera pas la prochaine fois. Ah, ils m'ont offert le livre. Bon. Ah, le livre de survie, il est bien, je crois. Ouais, mais bon. J'ai pas envie de lire pendant l'apocalypse. C'est rigolo. Carré. C'est rigolo! C'est un rigolo, hein. Mec, en vrai, un jour je vais tenter un 100 manches sur 60 secondes. Bah, du coup, on se. Ouais, bah c'est pour ça, en fait, pour la blague, je fais en 60 secondes. En manche. En 60 secondes sans jour. Mon cochon. Moi là, pour l'instant, je leur donne rien, je leur donnerai. Je leur donnerai Attends. quand ils seront en Quelque chien. chose nous regarde. Non, je leur donne le troisième jour, c'est ça là, un peu la technique. Quelque chose nous regarde du coin de l'œil, un rat peut-être, une chose qui ressemble à un rat du moins, un rat bien nourri. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose, ou pour appeler un rat c'est nous ou lui. Ouais bon, je vais pas utiliser un gun pour un rat non plus, hein. Allez vous faire foutre. Hein. Mais je crois que le rat devient domestique après un certain temps. Il m'a bouffé une soupe, ouais, je crois. Ouais, bon, c'est pas grave. Il nous reste un peu d'eau, bon, etc. Bon, là, on va tout donner. Là, on va donner de l'eau à tout le monde. Pour oh là là, je me souviens des touches. Il est fort en expédition, Timmy, là. Ok, alors, le temps que je trouve le truc, ok. Il pourrait se barrer avec Cole, Timmy. Il va peut-être le premier jour il va partir sans rien, je sais que c'est risqué mais là pour l'instant il va partir sans rien. Du coup t'as sacrifié quel jeu pour Red Dead 2? Fortnite Infinite Warfare. Ah oui c'est vrai c'est 100 Go. Ah ouais. Ah oh, c'est vrai, merde, merde. Ok.
Donc là, je vais leur donner à manger quand même. Parce que, genre, ils veulent pas mourir de faim. D'après la radio, l'armée s'apprête à parachuter des caisses de provisions pour les survivants. C'est pas trop tôt. Avec tous les impôts qu'on paye, on mérite bien une caisse. Allez, on prend le risque. Je prends des risques, moi. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Et j'avoue que là, j'abuse un peu, peut-être. Moi, j'aime bien l'eau. Oh, tout le monde, hein. Ah, plus de dos justement, et plus de soupe. Ça me fait parce qu'il y en a dans 60 secondes, c'est châteux. Ils arrivent à avoir genre un gros bidon d'eau. Voilà. Bon, après, c'est simple en fait, c'est quand tu remplis l'étagère, mais voilà. Imagine enfermé comme ça dans on va dire un bunker et genre jusqu'à mourir. Ah, voilà, c'est. Je pense que, honnêtement, de mon côté, je mettrais fin à mes jours. Hein. Ah ouais? Pour de vrai? Bah, si je sais que je vais être enfermé là jusqu'à ma mort, oui, ça sert plus à rien. Ah ouais? Ouais. Non, on n'ouvre pas la porte, les gars. Ah, mais quoi que si j'ouvrais la porte, c'était pour faire entrer le chat. Sauf que le chat, il boit des trucs et tout. Oh, ben voilà, j'ai un bidon d'eau. Nice. Enfin, j'ai un bidon. Non, c'est un vase, on va dire. Une cruche. Ouais, voilà, une cruche. Sale cruche. Voilà. Là, on est bien, en vrai. Donc là, je vais leur donner... là, ça va être le jour généreux, on va dire. Jean-Marc généreux, lol. Vas-y, là, hop. Comme ça, on remet le cycle à zéro. C'est drôle ça. Parce qu'il y a des petites techniques comme ça et Jimmy c'est le meilleur en expédition. Donc bon. Bon là il peut plus partir. Ouais et Jimmy il est gay. Mais il y a la meuf là, j'ai oublié comment elle s'appelle, Mary Jane non. Enfin Mary Jane. Ah si c'est ça en plus je crois. Mais en gros elle, elle peut devenir pas une plante mais radioactive. Timmy est affamé, non? Non, il va pas me faire chier. Oh oui, qui doit partir en expédition? En vrai, est-ce que ça serait pas le daron? Je sais pas. Je vais essayer de jouer un morceau à la guitare. Fini. Ok, c'est drôle. Non, je vais essayer de jouer premier degré du War de Nirvana. Elle pourrait partir avec ouais non elle va pas partir avec quelque chose, je préfère envoyer un adulte ou un Jimmy ça. On sacrifie la petite Mary Jane. Mec tu fais ça dans mon bunker, je t'éclate. Non je rigole. Attends, je crois que je sais aussi faire le universal. Vas-y, il me demande de faire manger Timmy là, il saoule. Ah bah oui la radio on a le droit de l'utiliser tant qu'on peut ne pas la casser. Après on peut réparer la radio au cas où si on la casse avec le truc de scout donc c'est bien. J'aimerais dire à mon pote. Oh Timmy a vraiment besoin de manger, je l'ai fait manger hein, pour le jus de pomme. J'essaie de jouer la guitare avec ma botte. Attends, ça se trouve ça va donner un chef d'œuvre musical. Timmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres. Soudain, voilà. Enfin, remettre l'astronomie après tout le ciel. Mais mec, qu'est-ce que tu veux aller chercher ton télescope de merde alors que c'est l'apocalypse? Mais va te faire foutre! Tu vas pas le chercher ton télescope! Qu'est-ce qu'il veut avec son télescope celui-là? C'est trop aussi, c'est trop. Sortir dehors après le tomber de la nuit. Bon, enfin. Attends, je me dessape et je joue avec ma beuteux. Nice, tout va bien. Ça, c'est nice. Soit on est tous pris d'hallucination, soit les abris réellement infestés d'insectes. Votre pire, au nom, c'est pire des araignées et pas des petites bêtes. Il faut qu'on s'en débarrasse. Ok, bah. Il y a le scout, hein. C'est bien. Ouais, mais t'es allé sur un logiciel quoi. Non. Enfin, t'es allé sur internet, t'as tapé truc ultra bien fait et. Ah, elle est malade! Donc, heureusement que j'ai pas utilisé le kit. Hein. Surtout qu'on a pas perdu le livre, quoi. Donc, attends, est-ce qu'ils disent.
Ouais, bon, vas-y. J'ai trop bien joué pour monter. Moi, ma guitare. Du coup, elle marche pas. Putain, quel connard le mec qui fait ce live. Ouais, quel connard celui qui me fait m'entendre en double et il va vite baisser le son du live d'ailleurs. Oui, pardon. Et pour la peine, je joue un morceau de guitare. Quelque chose de lourd est tombé. Quelque chose de lourd est tombé, c'est ma giga grosse queue, je pense. Du ciel. Écrasant le dépôt. Doucement, complètement, une fois la poussière dissipée, nous avons réalisé que nous étions face à un vaisseau spatial. Exactement comme dans les bandes dessinées de Timmy. Ça, ça. Affamée, elle va manger, ouais. Donc, une expédition, ouais, allez, on va faire une expédition et ça sera peut-être tomber sur les restes d'un campement de pierre et de... Non, on prend pas le risque. On prend pas le risque. De toute façon, c'est pas trop le dawa là, hein. C'est pas trop le bordel. Un peu de nourriture, Timmy a besoin de pas grand chose à part d'eau. Ah, oh, bon, là ça veut dire qu'il a pas non plus besoin d'eau, donc on laisse ça. Ah, oui, carrément. Ted, ok. Donc, Ted il veut de l'eau, si je me trompe pas. Hop, elle veut de l'eau, et elle veut ça, si je me trompe pas. Ouais, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ok. Qui doit porter. Il va partir avec. Alors, il va partir avec le fusil. Hein. On peut pas retenir en revenir en arrière, c'est dommage. Mais ouais, il va partir avec le fusil. Hein. On n'a pas besoin du fusil là pour l'instant. Il va tuer des gens. Maridine a besoin un peu de nourriture, mais elle a vraiment très soif. Nourriture, je l'ai nourri déjà, si je me trompe pas. C'était elle que j'ai nourri? Ouais, donc elle va recevoir juste de l'eau. Oh. Ok. Donc elle a pas mangé. Elle va juste boire. Et lui, on lui donne tout. T'aimes bien mon ASMR? Ouais, et tout là. Bien évidemment, on écoute la radio. Je sais plus c'est quoi mon record de manche à 2 jours sur 60 secondes, mais il est pas mal. C'est rigolo. Oh, il y a un avion en papier. Est-ce que tu penses que c'est Frédéric? Comment il s'appelle déjà ton avion en papier? Comme ça qu'il s'appelait mon avion en papier. Là, ici, on tousse bien. J'avais donné un nom, on a... Oh, Didier. Non, c'était Didier, ouais, t'as raison. Et... Bah là, j'ai Didier dans le truc. Mais il est pas mort? Bah non, il a encore envie, il est en bas à droite, là, de mon écran. Ouais, le chion. Comme as you are. Sûrement le mode du terme, ok. Ah, ok, allez, on lui donne de l'eau parce qu'on a beaucoup d'eau. Hein. On a toujours voulu voir les chutes du Niagara. On est servi, on n'a même pas besoin. Et au Canada, les tuyaux ont lâché et tout les personnes dans l'abri. Il faut vraiment sauver les provisions. Oulala, les cartes. Ça dégage les cartes. Pas la radio, surtout pas la radio. Ah non, non, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il fallait sauver? Parce qu'il fallait tuer. Oh, quel... Ah, mais je suis con, on peut la réparer la radio. Non, j'ai rien dit en fait. On peut la réparer la radio avec le truc de scout. Par contre, la carte, on peut pas la réparer. Donc, c'est la carte que j'aurais dû réparer, prendre. Ok. Par contre, le sang là, il a ramené un petit truc pour refaire un kit de soins. Donc, s'il n'a pas l'air bien, il faut vraiment qu'il s'y. Ah bon. De l'eau. De l'eau. Ok, alors on va lui donner à manger. Elle, lui, c'est ça, ça, c'est ça ou pas? Je vais faire des bruits de bouche. Crunch, crunch, je croque. Crunch, crunch.
Tu dois partir en expédition, c'est Timmy qui va partir. Bon, ok, je pars. Ah, j'aurais peut-être dû attendre, non, je sais pas. Faut qu'on répare la radio en vrai, hein. Jane est affamée. C'est du bon shit de sa mère. Bah lui il a mangé hier, il va pas se foutre de ma gueule. De toute façon j'ai toujours su que c'était un bout du lait. Ok, la fin. Ok, je me fais enculer. Ah oui, clairement. Ok. Non, non, Dolores, elle reste là. Un marchand à l'apparence louche, un sac aussi sale qui nous a fait offre. On est bien là en termes de nourriture? Comme as you are, as you were, as you feel. Est-ce qu'on est bien en termes de trucs là? Moi je dis, y'a pas assez. Ouais, moi je dis, va se faire foutre. Tant pis, on fait des bâtards. Il aurait pu nous donner des trucs en vrai, mais Nick, comme on dit chez nous. Donc on prend Mary Jane a l'air d'aller au. Elle veut boire, elle, afin. Dolores en vrai, elle est mignonne. C'est drôle. Dolores son bras. Ah non, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui peut partir. C'est trop calme, il manque quelque chose, voyons voir. Ventilateur non, bruit de tuyaux bizarre non, cri extérieur non, mais oui, on n'entend plus Dolores, mais donc ça, il vaudrait mieux lui parler. Mais bien sûr qu'on va lui parler à Dolores. Alors, Dolores. Il y a un truc que je comprends pas. Ils sont tous à côté, ils se parlent pas. Juste ils regardent la caméra en fait. Parce qu'il dit, oh, il serait peut-être temps d'aller lui parler. Vous voulez faire quoi d'autre? Franchement. C'est drôle ça. À part d'eau, ça veut dire qu'il peut encore attendre. Elle, on va lui donner à boire. Elle va manger. Ok, bon. Hop. Et non, ça c'est bon. Toujours pas. Tu vers quelle heure toi? Mais j'ai mangé moi. Mary Jane est rentrée blessée de sa dernière expédition, elle n'a rien dit, on n'a rien remarqué, tout est blessé. Bah on va utiliser le kit, on va utiliser. Ah non, il fallait rien faire pour faire la fin où elle devient. Ah tant pis. Bon de toute façon on peut récupérer un kit, on peut récupérer un kit donc bon. Comme as you are. Ah j'ai rigolé. Arrête. On peut récupérer un kit avec le truc de mort là. Mon fils, je commande pas un bon fils. Attendez juste, je vais donner de l'eau à Timmy quand même. Je vais pisser dessus. Les cartes, on s'en tape. Je reviens, je vais aux toilettes. Ouais. Je reviens, même pas. Le fusil, attendez, le fusil il est cassé, non? Bah oui, du coup. Ah non, non, ok, ouais. Donc là, c'est je donne et je reçois. Bah en vrai non, il va se faire foutre que Will est là. Bon, ouais, elle a beaucoup de soif à se faire foutre. Au revoir, Noax. Ciao, à demain. Et non, du coup. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jean ne fait pas d'exception. Ok, donc elle veut de l'eau. Elle veut de l'eau. Ok, allez, tournée d'eau pour tout le monde, sauf l'autre con là. L'expédition, yes, Timmy il est libre, donc let's go. Un autre attend la vermutant, vient traîner près de la porte, notre abri pratiquement tous les soirs. Nous avons essayé de le chasser, mais il s'enfuit dès que nous ouvrons la porte. Heureusement que nous avons
notre fidèle manuel de scout, nous y avons trouvé des instructions pour construire un piège rudimentaire avec une boîte et du fil. Nous n'avons aucune boîte à disposition, mais nous avons une valise, ce qui fonctionne tout aussi bien. Bon, j'avoue que j'ai déjà oublié ce que j'ai lu, mais on va utiliser la valise. De toute façon, en vrai, je vais pas prendre le risque de partir avec une valise en expédition, en vrai. Je pense juste un masque à gaz, ça suffit. À la fin. Lui, il a soif, mais ça va, ça peut passer. Donc, Dolores faim. Bah, du coup, elle va recevoir à manger, hein, clairement. Hop. Est-ce que le petit Timmy va se barrer avec le masque à gaz? Il pourrait se faire mal avec la pioche. Donc ça c'est mort. Ça on s'en branle. Bah allez, allez. Prends le masque, de toute façon on va pas l'utiliser. Donc bon. Autant. Autant voilà quoi. Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Ouais, ok, elle va manger. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on n'a pas d'équipement? S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit. T'as la fin. Donc, fin à nourriture. Ok. Prochain jour. Alors. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas d'exception. Mary Jane est épuisée. Elle ne fera pas long feu sans boire. Donc lui veut boire. Dolores doit prendre. Salut à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ben non, du coup. Parce qu'abonner, c'est payant. Et on n'est pas sur YouTube. C'est drôle ça. Alors, Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. Donc oui. Elle va en recevoir, donc Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture à manger. Bah, allez, elle a tourné pour elle. Bon, rose bois. Bon, allez. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Hop. Non, j'ai oublié comment on fait déjà, mais. Vas-y, va te faire foutre à faire ça là. Je vais te balle un moment. Hop. Hop. Ouais, je crois que c'est ça. Ils sont pas en bon état là. Ce temps d'aménager une douche, peut-être. Peut-être l'arrivée d'un portugais, l'historique du portugais pour faire une douche. Bien évidemment, je rigole. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça dure. Ce n'est. Ouais, c'est... Trou. Teddy, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Tout va bien. Bah, c'est nice ça. Bah, non, hein, il n'existe pas ce pour le coup, celui-là, Robin. Nous avons décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là. Mais à peine sorti, nous avons entendu un grognement et aperçu les yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. On va rien faire parce que ça peut. Déjà, le truc jaune, là, ça peut nous faire un kit en plus. Et parce que c'est le chat. Ah, quoi que le chat, il va nous carotter des trucs. Ah, faut l'éliminer en vrai, le chat. Je sais pas. Libéré Nightbot. Il faut un accent à un endroit. Il est mal fait là. Il était trop risqué d'affronter les horreurs qui se tapissaient dans le noir. On n'a pas tenté le diable. On a fermé la porte le lendemain matin. La bête était partie. Aucun souci, il n'a osé de mettre en travers. Dolores est épuisée. Pour lui, il va bien. Bon, c'est nice ça. J'aime. Continuez d'aller, bien sûr. Continuez. Loubéré. Merci, c'est gentil, mais je commence à apprécier le fait d'être séquestré. Oula! Oula! Oh! 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 Nightbot? Nightbot? Non, tu balances des dossiers là, Nightbot. Faut pas dire des dossiers comme ça, Nightbot. Il faut donner à boire à Mary Jane. Ok. Écoute. Bah, la tournée d'eau en gros. C'est drôle ça, Robin. C'est drôle. Donc la tournée d'eau. Un petit jeu dans le parc à proximité. Malheureusement, nous avons oublié notre canne à pêche. Peut-être que nous pourrions sortir quelque chose de cette eau croupie avec notre vieille valise. Bah non. Bon, c'est quoi ces fun? Allez, let's go. Non, c'était bien. C'était bien écrit. Mais vas-y, tu saoules là. Ah putain.
T'es allé sur un truc là. Slash comment tout ça, faut que je le banne pour les modos aussi. Nous espérions pêcher un poisson pour agrémenter notre consommation. Bon, on s'en branle. Ah, oh, on a récupéré un kit. Ouais, et Timmy est revenu. C'est pas Jimmy d'ailleurs, c'est Timmy. C'est temps pour moi. Ça ne se reproduit plus. Ça ne se. Ah, ok. Lorsqu'un homme est désespéré, il est prêt à tout. Ouais, on a récupéré de la bouffe, ça c'est bien. On a perdu un masque à gaz, logique. De toute façon, on a le truc de scout. Si on veut le réparer, je crois que ça marche. Trop con, lui. Oh non, notre masque à gaz a été abîmé. Oh, c'est dommage. Marie vient de se reposer. Non, c'est bon, tranquille. Il faut prévoir la nourriture. Il veut juste manger, donc c'est cool. Tout a l'air d'aller pour. Bon, bah, Timmy, du coup, si je me souviens bien. Oh putain, ma mémoire. Ouais, je crois qu'il a soif. Ouais, non, mais évidemment, quand c'est pas l'eau, c'est la nourriture, forcément. Mais du coup, il m'a enculé 60 secondes parce que, à cause d'eux, je croyais vraiment que. Non, mais on va. Tiens, on va envoyer le daron. On va envoyer le daron, tiens. Mais 60 secondes, à un moment, ils disent que ça peut durer plus de, 500, de 700 ans la soupe en boîte. Mais c'est peut-être pas vrai en fait. Alors, okay, Ted est bien rentré de son expédition, ouais, ok. Maridine dit qu'elle va bien, il n'a besoin de rien, il dit mais vraiment besoin de manger. Il a pas mangé hier, si il a mangé rien hier, donc il va se faire foutre. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, ça c'est vrai, ok. Dolores, c'est elle. Ok. Oui, l'expédition de Ted le sent. Aujourd'hui, il fut un jour très excitant pour Ted. Il a soudain trouvé les clés de sa voiture dans la poche arrière de son pantalon. Aurait-il été assis dessus tout ce temps? Quoi qu'il en soit, cela l'a refait penser à sa voiture préférée. Il s'inquiète désormais de l'endroit où il l'a garée. Cela nous paraît vraiment d'être totalement futile. Mais Ted tient absolument à aller démarrer le moteur. On fait quoi? On s'en branle de ta bagnole. On s'en branle de ta bagnole. Ça dégage. C'est l'apocalypse ou quoi là? On n'est pas dans Walking Dead là. Essayer de chercher des voitures, tout ça. Allez, va te faire. Besoin de nourriture. Je l'ai pas donné à manger hier. Non, c'est de l'eau. Bon, oh, bah, l'eau elle va se faire foutre du coup. Il a faim. Julien, les gosses. Alors, Timmy, il a faim. Besoin d'hydrate, de s'hydrater. Vas-y, faim et oh, ça va partir. Si ça reste notre une goutte pour le reste. Donc, hop. Donc, Ted, tu prends tout. Toi, tu veux ça. Ted, il va bien. Et qu'est-ce qu'elle veut, la Mary Jane Watson, là? La nourriture. Et à boire. Partir en expédition, c'est Ted le sang. Ah ouais, bah Ted du coup il peut partir avec l'âge, Ted, parce que lui il va pas se faire mal, donc c'est bon. Ah putain, enfin il y a ce message. Timmy, ta famille, par contre arrête de dire des dossiers, s'il te plaît, Nightbot, arrête s'il te plaît, sinon je vais te ban, on ban un ou deux là. Timmy, ta famille! On s'en branle, il va mourir, c'est bon. La vie dure. T'as une sortie de l'abri. Timmy, ta famille, ok, on retient ça. Non. Bah non, parce que hier, je lui ai donné, il va pas se foutre de moi, donc je. Je vais se faire foutre. Il y a un truc qui fait, là. Il meurt. Rien de neuf pour Mary Jane aujourd'hui. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Ben voilà, voilà, il a pas faim. Donc il va fermer la gueule. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides et ça commence à déborder. Si on fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants du coin. Cafard, et c'est gros, ok. Scout, pourquoi on utiliserait un truc? Le Russe s'échapper. La déshydratation de Mary Jane ne pas être bon. Ok, soif, soif, soif. Oh bah, c'est la tournée d'eau, tiens. C'est la tournée d'eau. Et... Oh oui, l'eau. Oh là, il nous faut de l'eau. Hein. Ah.
Si on a la musique, c'est qu'il y a un truc, non? Bon, vraiment pas pour le coup. C'est juste que c'est relancé, ok. Que du coup, je vais me faire foutre. A besoin de manger, je te crois. Donc, je vais te donner à manger. Puis après, on va stopper hein, sur la nourriture et tout. Notre masque à gaz est abîmé, bien sûr qu'on le répare. En fait, Boy Scout, c'est un peu même. C'est même un glitch de l'avoir. Il possède également une énorme bite. Oh, Ted! Mon vieux Ted, comment vas-tu? Il est rentré, il s'est pas fait mal, c'est bon. Il a été réparé, suivi pendant notre petite excursion, il faudrait. Non, je rigole. Par contre, on a trouvé de l'eau et ça, comme par hasard, c'est cool. Ça, c'est un bon signe. Elle va bien. Lui va bien. N'a pas mangé depuis longtemps. Bah, allez, bah, comment on va appeler ça? Le repas des adultes. Donc, hop, les deux adultes qui ont bouffé, les deux enfants qui vont mourir. Dolores, elle en a pas marre de se branler les couilles là, donc elle va partir en expédition pour une fois. Depuis un petit bout de temps, on entend d'étranges bruits venant de l'extérieur. Où est-ce que ça fait... Où ça vient de l'intérieur? On n'a rien trouvé. Serions-nous en train de devenir fous? On devrait jouer. Ah bah oui. Personnellement, je jouerai aux cartes. Je me ferai un petit président en famille. Enfin, voilà. Personnellement, je ferai ça. Je prendrai pas un vieux d'amis. Alors, il faut donner à boire à Mary Jane. Ok. Oh. Oh, bah ils ont tous soif quasiment donc. Ok, hop, hop, hop. Attends, c'est Dolores ou c'est Ted? Non, c'est Ted, ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais, fallait bien que je me trompe. Non, c'est le rond, elle, ok. On pourrait partir avec quoi? Avec un masque à gaz, peut-être? Ce serait peut-être le mieux pour éviter qu'elle tombe malade. Bah, il va pas. On va partir avec, avec un truc à gaz. Oh! Oh, oui! Oui, oui. Mary Jane est affamée, Timmy à la pêche. Donc, hop. T'as la faim. Boire, oui. Pas en de faim, va te faire foutre. Et elle a la famille. Non. Non, non, même si ça peut être une faim, etc. Non, il va se faire foutre. Ah, ça toque à la porte. Attendez, juste un truc. Ça toque à la porte, tiens. C'est la voisine du palier. La flemme de lire, t'as semblé aller bien. Brosse. Exclamation horaire. Il y a qu'un R horaire. Du coup, ils vont bien. Les jumeaux ont tenu promesse. Oh! Oh! Le truc, c'est que je sais pas si j'ai fait la fin des jumeaux. Parce que si j'ai fait la fin des jumeaux, ça sert à rien d'arrêter là. Par contre, si j'ai pas fin. Non, avec un S à la fin. Qu'un R et un S à la fin. Mais par contre, si j'ai pas fait la fin des jumeaux. Donc attendez, les jumeaux ont tenu promesse. Ils sont revenus nous voir avec une requête. Étant donné que leur tente commence à se faire trop petite, leur groupe va tenter de se construire un petit camp. Ils ont déjà les ressources nécessaires. Mais ont besoin de quelqu'un pour les aider à couper du bois et fabriquer les maisons. Ouais, bon. Allez, on va dire c'est l'après. Bon, on s'éclate, tout ça, etc. On rigole, on va pas le faire Nicole. Jour 41. Je sais qu'on est tous morts. Il n'y a pas de malade, ça a l'air bien. Ils n'ont pas échappé aux écharpes, mais la maison est terminée. De toute façon, je pense que pour faire. De toute façon, il faut. Là, dès que ça parle de jumeaux, voilà. En plus, je lis pas depuis tout à l'heure, donc il parle de trucs. Il parle des jumeaux et je vois même pas. Vraiment très soif. Donc, soif, ok. Jus de pomme, il va se faire foutre, le jus de pomme. Soif. Soif, faim. L'eau ça manque un peu là. C'est la cruche, on l'avait utilisée. C'est drôle ça, Romain. Aucun souci, non.
On va essayer de les faire patienter un jour quand même, parce qu'on a plus beaucoup d'eau. En plus, elle va revenir hein, des expéditions, elle. Pour nous, c'était une journée comme une autre. C'est alors que Mary-Jane s'est mise pieds dans le plat. Elle nous dit que c'était son anniversaire, mais elle ne voulait pas de cadeau, vu la conjoncture actuelle. Mais ce n'est qu'elle décide de lui offrir quelque chose, qu'elle veuille ou non. Oula, bah, l'anniversaire de merde pour le coup, mais on va lui offrir des cartes, hein. Parce que je vois pas pourquoi je lui offrirais un kit de soins. D'ailleurs, ma playlist, faut que je leur ajoute des musiques, faut que j'écoute tous les albums d'Amza et que j'écoute les albums que j'ai pas écoutés des CH. C'est bon. Ah, il faut que j'écoute tous les albums de Nekfeu aussi. Ça se fera et la playlist se complétera. Mary-Jane adore les cartes. Et je n'en jure qu'il n'aime pas les cartes. Mary-Jane a l'air d'aller aujourd'hui pourvu que ça dure. On a besoin de manger. Alors lui me casse les couilles, mais je vais lui donner de l'eau quand même. Attends quoi? Ok non. Hop. Et lui là il me casse les couilles mais je vais devoir tout lui donner. Ben non du coup. Ah mais elle est morte! Ah ils m'ont peut-être dit qu'elle était morte. Un groupe de voyous a frappé à la porte et nous a sommé de nous en provision. Qu'est-ce qu'on prend à ces affreux Jojo? Un beau petit cadenas, mec, hein, cherche pas le combat. Pacifiste. Ah, j'ai obtenu un trophée, c'est pour ça que vous avez du noir un peu moche qui s'affiche à la gauche. On a aussi repoussé les pillards, mais rien n'a dit que nous serons tranquilles. Faut tenir nos poussons. La situation de Marie, donc, elle veut boire. Elle veut boire. Allez, parce qu'elle est déshydratée. Là, c'est la merde. Elle est peut-être morte. Elle est peut-être morte, l'autre. Ouah, devinez quoi? On a déjà notre petit partage. Ah, potager, potager. Souterrain, le mur au fond est couvert de champignons. Ils sont même assez dodus pour être farcis. Alors, on prépare un buffet de champignons pour ce soir. Bah, non, du coup, très mauvaise idée, hein, du coup, pour le coup. Hein. Ambiance noire. Très mauvaise idée hein, l'idée des champignons pour le coup hein. Les développeurs qui veulent caler leur petite pub avec à gauche le logo de leur studio. Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture. Mais on va la faire attendre parce que dans la vraie vie je suis en fonction de la vraie vie. Bon vas-y, c'est à dire que l'autre elle est morte donc bah écoute, de toute façon je n'ai pas dit. Mais oui, il serait temps, mais même la radio, hein, il faudrait me faire la réparer quand même. En plus, c'est vraiment un glitch sur tout le truc et enfin, c'est trop cheaté. Hop, là, ma carte, elle est réparée, bien sûr. Je l'ai fait avec quoi, peut-être? Je l'ai fait avec la ventilation. Arrêtez un peu, arrêtez. besoin d'un peu de nourriture, ouais. L'eau, non. Non, il... Ah oui, non, elle a faim, c'est ça? Elle oui, mais les autres qui vont se faire foutre. Qui doit partir en expédition? Ben c'est lui là. Oh merde! Ah mais c'est bon, de toute façon il n'y a plus de masque à gaz donc. Ouais, mais t'es des poutres et tout là. Bien Naïvat, t'as retenu la leçon. Quand je te fouette. Mary-Jane est affamée. Elle a cru le bonbon qui est là, ça va être la tournée. Tournée pour tout le monde, c'est ça? Ouais, bah tourner pour les deux petits. Hey, get Julie! Hop. Alors là, j'ai pris pour qu'ils reviennent avec quelque chose. Un groupe de voyous a frappé à la porte. Il nous a assommé de nous. De nous. Assommé. Pourquoi à chaque fois? Nous. Nous avoir sommé. Ok, je vais me faire foutre. De nous rendre en abandonnant nos provisions. Qu'est-ce qu'un. Répond à ça. Oui, forcément. Bah, vous savez quoi? On va prendre un risque. On va pas prendre la hache. Parce que franchement, entre nous là, je suis bon. On se blessait, hein, les. Ah bah. Bah, je suis mort du coup. Ah non, ça c'est une fin où on perd, mais je crois que je l'ai déjà eu. Du coup, c'est inutile. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Toutes les expéditions qu'on a menées ont lancé un groupe de pillards à nos trousses. On a dû se rendre et notre avenir est entre leurs mains. On a peur maintenant, c'est la loi de la jungle. Mais elle n'a pas l'air de jouer en notre faveur. On a tenu bon 48 jours, ouais. On est tous sauvés. Ratatouille. Ouais, bon après ça c'est les jours.
puis là ils sont morts. Mais putain, j'ai déjà eu cette fin. Tout ça pour une fin que j'ai déjà eu finalement. Vous n'avez pas survécu. Ouais, mais c'est une fin. Mais je l'ai déjà, du coup. C'est vrai que. Du coup, je m'en branle un peu pour le coup. Je m'en branle les couilles. Bah, du coup, voilà. Bah, du coup, Robin, de toute façon, il est pas encore là, etc. Je pense qu'on va aller faire des petits défis pour le kiff. On va rester sur, sur 60 secondes. Donc, ouais, on va aller faire des petits défis. Ça, c'est dur. Hein. Matrioshka. Oh. Quoi de bon que. Bon, on va commencer directement par. Par des Russes. Faut le dire. Ah oui, c'est vrai, on a un certain temps. Bah oui, 60 secondes du coup, donc je ferme ma gueule. Ok. Ok, ouais. J'avais oublié que c'est chaud. Wow, 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 wow. Attends, il y a tout ça. Bah elle, déjà, elle prend beaucoup de place. Ça dégage. Ok. Ok, viens là, ma grosse. Hop. Ok. Ok. Faut que je... Timmy, t'es où? Ah. En vrai, c'est une mauvaise idée ce que je fais. Je devrais garder ça pour la fin, là. Tous les trucs qui sont proches du truc. Il faudrait peut-être... Jimmy, non? Viens là, fils de... Ouais, ouais, hein. C'est la merde, là. Hein. Moi, la rapidité, c'est pas mon fort. Hein. Ce qu'elles disent toutes. Oh, je prends une carte qui ne sert à rien. Quel con. Bon, écoutez, hein. On va recommencer de toute façon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et est-ce que là, parce que moi j'avais joué à la version mobile aussi, est-ce que là on a des récompenses, genre on a des chapeaux pour les personnages, des skins entre guillemets. Ouais, je me suis fail, ouais, c'est ça que je voulais dire. Un défi manqué, super! Je vais me faire foutre. Faut déjà ramasser l'eau, la nourriture et tout en vrai peut-être. Il y a de la merde. Ok. Déjà. On va prendre elle déjà. On va prendre la Mifa. Hein. Ah là, le stress. J'ai fait exprès que c'est dur à manier. Il y a bien de l'eau par là. Ouais, il y a même une radio. Nice, ok. Ok. Eux deux, ils sont là. J'ai peut-être pas besoin de prendre eux en priorité puisqu'ils sont déjà là. Ok, donc ça, ça part avec moi. L'eau, nice. Ok. Ok, ça c'est nice. Ok, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va récupérer Timmy, fils de pute. Là, c'est à ce moment-là où j'ai le seum quand je me prends des trucs. Les cartes, elles sont où? Sont pas dans mon cul, ça c'est sûr. Ok, bah, je vais me faire foutre du coup, mais les cartes, ouais, je les vois pas, tant pis. Bon, c'est un fail. C'est un fail encore, mais on y bientôt. En fait, faut vraiment repérer où sont les cartes, etc. La technique, c'est vraiment de garder, par exemple, ceux qui sont très proches. Vraiment, en fait, il faut vraiment, en premier, aller chercher les trucs qui sont le plus loin. C'est logique. Mais c'est vrai, j'y pense pas forcément. Je vais un peu sous la panique, mais ouais. Je préfère faire ça. En tout cas, on y était presque. On y était presque.
Par contre, la nourriture et tout, non, on s'est mis bien quand même. Une durée de con... bah voilà, c'est ça, une durée de conservation de 736 ans. Se fout de ma gueule un peu, 60 secondes, non? Fête nationale, tout ça. Babouchka! Shipper! Arrête de shipper! Ok. Donc, bah, du coup, bah, nice là. Là on peut quand même aller chercher ça parce que c'est assez loin, donc on peut un peu se permettre. Bon, le masque à gaz il est là. Hop, le jeu de cartes, franchement je sais pas où il est. Ok. Oh mais quel con, il est là le jeu de cartes. Ah mais ici il la vaut la radio. Ok. Oh non. Je vais rager sur 60 secondes vraiment. Je vais rager sur 60 secondes là vraiment. Ah là là, c'est un fail, c'est un fail. Ouais. Ouais, je crois que j'ai même pas écouté en fait ce que j'ai dit là de prendre les derniers trucs en premier. Parce que j'ai fait. Y en a un, je suis sûr, y en a un où en 30 secondes il faut récupérer plein de trucs. C'est trop long, ouais. Ok. Bon, moi, on aura fait une fin d'ailleurs. Let's go! Bah là, il y a la radio et tout. Bah, ouais, de toute façon. Ok. Là, il y a la hache, on la prend. Fafam dégage. Ok, ça on prend. Ok. Ok. Pour l'instant, on est pas mal. Ok, je ferme ma gueule. Ok, donc là, le jeu de cartes, il est là. Ça va, il garde à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes emplacements. Ok. Lui. Il vient avec Bibi. Ok, là ça se passe bien là. Non! Ok. Tout se passe bien, tout se passe bien. Viens là. Viens là! C'est rageant. Ah, c'est rageant.
Assurage. Putain, c'est chiant. Oh, mais sérieux, quoi. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne, j'en suis sûr, c'est la bonne. C'est la bonne. Il y a quoi déjà dans ce classique là? Je quoi lui déjà? Ah ouais, c'est entraînement. Ouais, non. Apocalypse. À quoi mise à jour sur 500? Non, regarde, imaginez quand même. T'as ma matrioshka là! Soyez avec moi, bande de petits. Déjà en premier, je vais prendre des trucs nombreux. Hein, donc l'eau, la nourriture, tout ça, ça va y aller là. Enfin, ouais, la soupe. Faut y aller là où c'est vraiment critique, où il y en a beaucoup. Donc en gros, c'est la cuisine. Logique jusqu'à là. Moi, je vous le dis. La soupe, on va la finir! Allez, tenez, hop. Hop. Déjà, la soupe, c'est fini. Quel connard, mais quel connard, j'ai pris du truc de l'autre côté. Ok. Ça va. Ok. Là, il y a de l'eau. C'est pas le meilleur endroit pour de l'eau, mais ok. Je vais en profiter pour prendre ma femme. Alors, pas ce que vous croyez. La radio, elle est là. Le masque à gaz, il est là. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai pris un truc en plus. Quelle insolence. Timmy, il est pas dans la salle de jeu? Ouais, mais quel connard ce Timmy. Oh, mais il a l'air debout! Ok, c'est fail. Non, ta gueule, ils sont dans le même endroit? Bande de trompes. Ta gueule! Mais vas-y, mais. Oh là là, mais c'est dur. C'est dur. Le craco. Le craco, le craquage là. Vas-y! Et non, en fait, j'ai utilisé une connerie parce qu'un jour en SVT, j'ai dit c'est vrai, les boîtes de conserve là, ce qui est dans le truc, ça peut durer beaucoup de temps. Non, en fait, c'est la soupe en boîte, pas la boîte de conserve. Du coup, je vais me faire foutre. Matrioshka, il ouvre le rapport avec les. Elle est Matrioshka, c'est les explosions, tout ça, c'est le drapeau russe, tout ça. Laissez un peu, les gars, laissez arrêter avec votre soupe à la tomate là. Commencez pas à dire du je sais pas qui, je sais pas quoi là. Commencez pas là, s'il vous plaît, les. Ça dit quoi l'équipe, tout ça? C'est bon! Il y en a marre! Il y a afflé le loup! Ah bah non, du coup, il n'y a aucun rapport. Du coup, ça marche pas! Ça marche pas! Ok! Let's go, go, défi! Ok! Donc, Matrioshka! Pour le fun, on va prendre l'eau. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Hop, sur le chemin, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on vient chercher encore de l'eau. Hop. J'ai ramassé. Oh non, j'ai ramassé de la soupe à la place de l'eau que je voulais prendre. Tant pis, comme ça on peut enchaîner directement sur le truc. Faut pas regarder le timer. Très mauvaise idée. Je viens de le regarder. Première leçon, ne jamais regarder le timer. Parce que bah, déjà ça sert à rien, mais. Voilà. Bon, la hache elle est là, on s'en branle, on la prendra après. La grosse, désolé, mais on va la prendre là, tout de suite, parce qu'elle prend beaucoup de place. Bah, même le jeu est un peu... Bon. donc là, hop. La radio, comme par hasard, elle est pas là. Comme par hasard, donc je vais me faire enculer. Ça vient avec moi. Je couperai pas le stream pendant que j'ai pas y arrivé. J'ai pas réussi. Ok, mais... Ok, j'ai cru que j'avais pris de l'eau. Non, là, c'est pas juste. Bah non, là c'est pas juste. Bah non. Et qu'est-ce que tu veux prendre en 60 minutes? T'as une meuf, elle prend 3 places. Non mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec autre... Mais avec deux mains, tu peux pas faire autant de choses. Le mec il prend sa meuf, il met le doigt dans le cul de Timmy, il prend la carte, il prend le gun. Non mais oh.
On est où là? Mais c'est, j'étais pas tout ça. J'étais pas tout ça. C'est que je te bats,